Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Webinep. Webinep c'est quoi pour ceux qui ne le savent pas? C'est un petit jeu qu'on peut trouver sur internet qui est totalement gratuit du coup. Et en fait c'est des devinettes et on doit trouver du coup ce que les internautes cherchent le plus sur Google. Donc je pense que ça va être fait sous forme de questions. Je pense qu'on va bien se marrer parce que Dieu sait qu'il y en a des gens qui tapent n'importe quoi sur Google et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, donc du coup, on va commencer tout de suite. Donc, devinez ce que les internautes cherchent le plus souvent sur Google et qui commence par ces mots. Combien de temps vit un... C'est quoi cette question fou? Attends, alors déjà, combien de temps vit un humain? Humain, ça doit être genre des questions du quotidien. Non? Genre? Ok. Combien de temps vit... Je vais mettre une connerie, hein, ok? Un zombie. Ça y était? Non, ça y était pas. Un chat, papillon, moustique, lapin, ovule, cheval, poux, moineau. C'était chat. Pourquoi j'ai pas pris un animal simple? Mais ça tombe sous le sens, un chat, t'as pas besoin de le taper. Oh, bon, bah continuez, on continue, très bien. Pourquoi les gens aiment... Ah, ça sent les conneries! Alors du coup, pourquoi les gens aiment... les animaux. Non, les fruits. Je tape, hein. Faut chercher. Non, mais encore les chats? Le foot, Trump, l'alcool, Apple, voyager, lire, la télé-réalité. Il y a vraiment des gens qui tapent sur Internet. Pourquoi les gens aiment voyager? Pourquoi les gens aiment la télé-réalité? Pourquoi les gens aiment lire? Il y a vraiment ces questions-là. Donc les gens tapent vraiment ça. Donc les chats, on retourne encore deuxième fois sur les chats. Donc la prochaine question, moi je vous le dis, je mets les chats direct. Mes cheveux. Cheveux sont gras. Ça doit être un truc qu'il y a. Yeah. One point. Sec. Yeah. Gras. Moche arrive en deuxième position. Il y a vraiment des gens qui tapent sur internet. Mes cheveux sont moches. Il y a vraiment ça? Sans déconner. Je recule un peu ma perche. Alors, gras, moche, sec, devenu fin, élastique, mort, brun, électrique. Comment avoir un iPhone? Attends, je suis sûre. Qu'il y ait celui-là. Même pas. Un chat. Encore les chats. Même pas. Comment avoir un copain? Yeah. Je l'ai. Ok. Comment avoir un chien? Non. Attends, faut les trucs cons. Donc, qu'est-ce que des débilos pourraient taper sur Internet? Comment avoir un copain? Comment avoir un... Bon, du coup, c'est pas chat, je suis vraiment désolée. Et je suis vraiment dégoûtée parce que les chats dominaient pas mal, là, du coup, au niveau du questionnaire. Et là, ce n'est plus le cas. Comment avoir un ventre plat? Comment avoir un garçon? Comment avoir un bébé? Ah bah oui, ça, je suis bête, j'aurais dû le trouver. Beau teint, beau corps, acte de naissance. Acte de naissance? Il y a vraiment quelqu'un qui a tapé sur... Il y a vraiment des gens qui tapent sur internet. Comment avoir un acte de naissance? Vous êtes complètement timbrés. Je voudrais apprendre à... Bah, écrire, déjà. Non, à lire, alors. Yeah. C'est pas écrire, attention. Donc, je voudrais apprendre à lire, je voudrais apprendre à... Eh, je sens les conneries. Mais j'ai pas envie de les marquer. Je voudrais apprendre à... chanter. Non? Mais les gens, vous tapez quoi sur Internet? Ouvrir une porte? Parler en anglais, dessiner, oui dessiner c'est vrai, faire du ski, coudre, tricoter. Non mais attends, ouvrir une porte? Je... Non c'est pas possible, il y a des trucs fake là-dedans. Impossible. Attends, je voudrais apprendre, le mec il tape derrière son écran, ok là voilà, hop, condition, le mec tape derrière. Je voudrais apprendre à ouvrir une porte. Enfin le concept est très simple, hein. T'as une poignée? Tu pousses la poignée, tu tires vers toi ou tu pousses, hein, peu importe, tu te gourres toujours de toute façon dans les magasins. Voilà, c'est fait. Donc tu l'as ouverte en fait. À partir du moment où tu as la poignée, tout va bien. À partir du moment où tu n'as plus de poignée, alors effectivement, ouvrir, apprendre à ouvrir une porte peut être une bonne chose. Par contre, apprendre à ouvrir une porte, est-ce que c'est... Ah, je suis en train de réfléchir là, ça vient de me venir. Est-ce que c'est dans le sens apprendre à vraiment ouvrir une porte ou genre apprendre à forcer une porte, tu vois? Genre les cambrioleurs et tout. Ah, parce que là, c'est deux choses différentes, alors, dans ce cas-là. Il est beau comme... Ah, un camion. Eh. Ah, yes. Un dieu. Yeah, c'est bon. Il est beau comme... qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Il est beau comme un camion. Oh, putain, les phrases.
Il y a que là en France qu'on tape des trucs comme ça. Je vois pas les British taper des... Il est beau comme un camion. Hein. Il est beau comme un ton. Je sais pas quoi mettre. Comme le soleil. Il est beau comme un tout. Oh mais moi j'arrête. Hein. Moi je pars du concept qu'à partir du moment où tu poses des questions comme ça et que t'as des réponses connes, forcément je risquais pas de les trouver. Il faut vraiment que je commence à m'abrutir fortement pour trouver ce genre de réponse. La rencontre fortuite. Il est beau comme la rencontre fortuite. Alors là, un italien... Oh, je connais pas. Non, bah alors, je ne connais pas, à part les limites, le coup du lavabo. Mais le lavabo, il me... Oups. Voilà, c'est tout. Ah, il est beau comme tout. Ouais, si. Mais sinon, franchement, je vois pas, quoi. Comment organiser une... Ah, soirée. Yeah. Bah alors, c'est quoi le truc le plus tapé? Bon, je m'en fous, j'avais trouvé soirée. Comment organiser une tombola? Comment organiser une réunion? Ah, genre les réunions du perroir. Comment organiser une manifestation? Comment organiser une coussinade? Une bourse aux jouets, une chasse au trésor, une soirée pyjama. Il y a vraiment... Alors, on retourne encore, hein, on se remet à la place du mec derrière son écran. Il y a vraiment des gens qui tapent sur Internet comment organiser... Alors, une chasse au trésor, ça passe déjà moyen, quoi. Normalement, t'arrives à l'organiser tout seul. Bon, à la limite. Par contre, comment organiser... Alors, coussinade, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est quand ils se lancent les coussins dans la tronche? Dites-moi dans les commentaires, je sais pas ce que c'est. Soirée pyjama, il y a vraiment quelqu'un qui met ça? Parce que c'est très simple, hein, je t'explique le concept. Tout le monde se fout en pyjama. Tu fous des pop-corn et tout ce que tu veux de mangeable au milieu de la table. Tu te mets pour la soirée, je ne sais pas combien de films. Et voilà, t'as ta soirée pyjama. Tu mets des coussins si tu veux, machin. Et voilà, nickel, c'est bon, on est banco. Bourse aux jouets. Alors ça, voilà. Manifestation, il y a vraiment des mecs qui marquent comment organiser une manifestation. Comment organiser une manifestation rue de la Palourde. Donc, moi je veux recommencer, je recommence, moi je vous le dis. Mon chat est mort. Alors déjà, je suis sûre qu'il y a ça... Yes, 800 points. C'est affreux, mais bon. Gros. Yes, yes. Donc il y a vraiment des gens qui... Oh, le pauvre chat, sans déconner. Mon chat est gros. Bah on le sait, le pauvre, toi tu... N'importe quoi, est-ce qu'on va t'étaler toi ta tête sur Facebook et qu'on va dire que t'es grosse? Non, donc le chat, laisse-le tranquille, le pauvre, il mange sa pâté autant qu'il veut. Alors, mon chat est, je l'ai dit moche, ouais, gros, maigre. Bah du coup, s'il y a gros, il doit y avoir maigre. Oh non, mon chat est malade, enrhumé, constipé, parti, fou, un geek comme les autres. Mon chat est un geek comme les autres? Ça existe vraiment ça? Par contre, constipé, sans déconner... Allez voir un vétérinaire. Commencez pas à taper n'importe quoi, parce que alors là, il va vous sortir une grippe du cul ou un cancer de l'anus de ce pauvre chat, et vous allez le nettoyer à l'eau de Javel, hein, si on suit les commentaires internet. Hein. Allez voir un vétérinaire, faut pas taper ce genre de choses. Oh là là. Oh non, comment font les aveugles pour... Attends, je suis sûre qu'il y a un connard qui a marqué cette phrase-ci. Oh. Oh non, j'aurais rigolé. S'il y avait vraiment un connard qui avait marqué « Comment font les aveugles pour voir ?», j'aurais été explosée. Malheureusement, apparemment, c'est pas ce qu'on trouve le plus. Lire, voter, rêver, se déplacer, s'habiller, jouer au foot. Ouais, bon, d'accord, ok, ouais. Pourquoi les femmes aiment le shopping? Mais c'est pas vrai. Les hommes tout court? Non, mais alors attendez, il y a vraiment des cons qui marquent derrière leur écran « Pourquoi les femmes aiment les hommes ?» On a d'autres trucs à la con? Parce que, en fait, je pense que c'est pour ça que j'arrive pas, parce que c'est tellement con que bah je risque pas de trouver, en fait. Pourquoi les femmes aiment les abdos, le chocolat, les voyous, les hommes grands, les fleurs, les femmes, les barbus? Mais elles sont cons, vos questions. Enfin, c'est complètement con. Genre, c'est pas Google qui va te répondre à ça, alors à moins que t'aies des spécialistes de la barbe sur Internet pour te répondre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Gras comme un cochon, j'ai envie de te dire. Un cochon. Ouais. Gras comme un loukoum. Oh, mais oui, gras comme un loukoum. Cette connerie, je la connais en plus. Une loutre, un poisson, une taupe, un moine. Gras comme un moine. Gras comme un coucou. Ah non, bah alors attendez. Là, on part sur des mots qui n'existent même pas ou que je connais pas du tout, quoi. Gras comme une loutre. Alors tu me diras, s'il te plaît, un cochon, d'accord. Mais une loutre, tu me diras, oh, est-ce que c'est gras? Une taupe. C'est pas gras, une taupe. Ah, je comprends pas. Non, bah, c'est des termes que je ne connaissais pas. Remettre de grand-mère contre. Alors, attends. Là, déjà, il doit y avoir la toux. Yes. Genre, remettre de grand-mère contre... les boutons.
Ça marche bien les remèdes de grand-mère. La grippe. Oh, même pas. La constipation. On retourne sur la constipation. La toux, le rhume, les aphtes, les puces, la toux sèche, la gale. Comment couper des légumes? Non, une tomate, on va mettre. Je suis sûr que c'est des trucs cons comme ça. Comment couper une vidéo? Comment couper une musique? Non, mais alors, attendez. Attendez, non, pause. Comment couper une vidéo? Alors déjà, non mais déjà le concept est très con. Comment couper une musique? Bah pareil, très con. Comment couper une mangue? Un poireau? Ok, bon ça peut aller. Du verre? Là, faut sacrément être torché. Un ananas? Ok. Un arbre? Tout le monde ne s'avise pas bûcheron. Tout le monde n'a pas fait l'aventure The Forest comme je l'ai faite. Donc, ok, un arbre, ok. Mais alors par contre, le coup d'une musique et une vidéo, faut pas prendre les gens pour des... Je suis amoureuse de mon... Ah bah ça, ça sent le professeur. Tu peux être sûr. Oh, de mon meilleur ami. J'aurais dû y penser. Le nombre de films qui nous font à la con. Où la gonzesse ou le mec sont amoureux de sa meilleure amie, de son meilleur ami. Mais alors ça, mais il y en a. Cousin, fils. Oh, je suis amoureuse de mon fils. Ah ouais, là c'est chaud là, par contre. Oh, je suis amoureuse de mon père. Mais c'est dégueulasse. Oh non mais, amant, ok, ex, ok, patron, on peut comprendre. Meilleur ami, d'accord, mais alors le reste, on part sur du dégueulasse. Hein. Ah, c'est dégueulasse. J'ai avalé un... Alors, je crois que c'est chewing gum. Ah, yeah! J'ai déjà avalé... Alors, petite information complémentaire hein, qui vous aidera lors de la vidéo et qui fera en sorte que vous en connaissiez un peu plus sur Kiki. Lors d'un concert, j'ai avalé un chewing gum. Je sais pas comment il a terminé, d'ailleurs, chewing gum, mais je sais que j'ai eu très très mal au ventre pendant... un jour, et c'est, j'avais pas pris qu'un chewing-gum, j'en avais pris trois. Parce que vous savez, au bout d'un moment, les chewing-gums, je sais pas si vous le faites. Moi, quand je mange, maintenant je le fais plus, je le fais moins. Mais quand je prends un chewing-gum, genre au bout de tant de temps, il a plus de goût. Et donc, et vu qu'il est tout petit, je me dis, bon bah, j'en mets un deuxième. Puis après un troisième, tu vois, et bah j'avais les trois d'un coup. Et mais ils étaient mâchés, attention, hein, pas les trois en mode encore costaud. Hein. Et ben du coup, bah voilà, j'avais le chewing-gum et ben j'ai eu très mal au ventre pendant un jour. Oh, mais non, noyau de prune, je l'avais, hein. Ouais, attends, qui va trouver le truc noyau de prune? Ça peut être n'importe quel noyau, vous savez combien il y en a des noyaux? Noyau de pruneau, mais n'importe quoi. Bout de verre, oh la vache, ça c'est dangereux. Os, petit os, ah oui, un os, c'est vrai, ça peut arriver, les petits os qu'on peut avoir dans le poulet ou dans le lapin. Moustique. Ah, moustique. Ah, j'ai avalé un moustique. Autre information importante. J'étais au téléphone un jour. Et au moment de parler, j'ai avalé un moustique. Et ce n'est pas des conneries ce que je vous dis. Cet enfoiré, il m'a piqué là. Et je vous mens pas. Hein. Il m'a piqué là, ce salaud, à l'intérieur. Bon, après, il a dû crever le machin. Mais c'était affreux. Genre, j'ai couru. En plus, j'étais dehors. Quand je suis rentrée, j'ai dû boire je sais pas combien de litres d'eau. Des bains de bouche, des machins. Une catastrophe. Le truc, je voulais qu'il crève. C'était immonde. Yeah, je l'ai trouvé, mais non. Impeccable, magnifique. Je commence à me mettre dans la peau du personnage. Ça met du temps, mais je commence à y arriver. Font pipi pendant qu'on y est. Attends, s'il y a font caca, il y a peut-être font pipi. Oh là là. Hiberne, pique, pondé. Ah ouais. Et, ah non, mais boivent. Ah ouais, non, mais attendez, font pipi, font caca, mais les questions. Boivent. Ah ouais, non, mais là, on a poussé le summum de la connerie, là. Bon, et bah, du coup, on va s'arrêter là pour le webinaire. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été rigolo quand même de voir ce que les gens tapent sur internet. Même s'il y a des trucs, franchement, c'est totalement what the fuck. J'arrive toujours pas à comprendre ce que les gens... Il y a certaines choses que je peux pas comprendre. Même moi, ça me viendrait pas à l'esprit de taper des conneries pareilles, quoi. Mais je pense que, voilà, c'est Internet. Avec le monde d'Internet, on peut tout faire. On peut taper n'importe quoi. Et on peut trouver surtout n'importe quoi sur Internet en termes de réponses, de vidéos et autres. Donc voilà, enfin, j'allais dire YouTube, non. Internet, c'est devenu un gros coffre où tu fous toutes les merdes dedans et tu dois faire le tri pour trouver les bonnes choses. Donc du coup voilà, c'est un gros bac à jouer et du coup bah, c'est le gros merdier dedans. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo sur Webinet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, ça m'aide à savoir si je dois faire d'autres vidéos de ce style là. Et je tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Du coup un grand merci à vous. N'hésite pas à t'abonner aux réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Tout est listé en barre d'infos. De toute façon, tu peux aussi me rejoindre sur Steam et sur d'autres plateformes de jeux. Tout est aussi listé en barre d'infos. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.